Très heureux de vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection kiosque en vue de suivre l'actualité politique en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui, mardi 11 juin 2024, que la première ministre Jidi Soumy-Mwatuluka va subir son premier baptême des faits au Palais du Peuple face aux députés nationaux dans le cadre de la présentation de son programme d'action et de la perspective de l'investiture de son équipe gouvernementale. On se souvient que le samedi dernier, elle avait déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, une copie de sa dissertation afin de permettre sa multiplication et de sa distribution aux membres de la Chambre basse du Parlement. Question, est-ce que ça sera facile aujourd'hui pour Jidi Touluka et son gouvernement de recevoir les quitus de l'Assemblée nationale? Analyse et commentaire à travers notre invité. Il s'agit donc, messieurs, vous pouvez vous présenter. Le père Koubangila. Le père Koubangila, il est journaliste, je crois, mais également un analyste politique. Le père, d'entrée de jeu, comment interprétez-vous cet exercice démocratique que la première ministre Judith Soumimoi tend à exercer devant les élus nationaux? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui ont l'habitude de suivre ces magazines, les magazines kiosques, qui est les cafés matinal. Et d'abord, d'entrée de jeu, je profite de dénoncer l'insécurité qui bat son plein dans la commune de Selembao, Bumbu, parce que ce matin, on m'a appelé, il y a plusieurs familles qui ont été visitées la nuit du lundi au mardi. Alors, il y a des filles même qui ont été violées. Alors là, nous demandons à ce que l'inspecteur général de la police, ville de Kinshasa, M. Blaise Kilimbalimba, oui, puisse réellement renforcer la sécurité au niveau de Selembao et Bumbu. Parce que dans les temps, on nous disait que c'était suite à l'obscurité, parce qu'il y avait l'instabilité à la fourniture de l'énergie électrique. Mais ces derniers temps, au moins dans nos ménages à Kinshasa, M. Lucinde et son équipe a fourni des efforts pour que les courants deviennent au moins stable, même à 40%. Mais qu'est-ce qui est à la base maintenant de cette insécurité dans ces deux communes du district de la Founa? Et aussi là, je profite pour dire aux Congolais, lorsqu'il n'y avait pas de l'électricité, ils étaient en train de critiquer le directeur manager de la SNEL. Et maintenant qu'il y a au moins la stabilité de l'électricité de la fourniture énergétique, est-ce que l'on ne peut pas aussi encourager les travaux abattis par monsieur le directeur général, le DG Lucinde? Il est vrai, c'est dans ses attributions, mais au moins si quelqu'un fait de bons travaux, il faudrait au moins l'encourager. J'entre maintenant dans le vif du sujet. Vous avez parlé ici de ce qui va se passer aujourd'hui au hémicycle. Cher Eddy, je dirais d'abord, c'est un exercice qui est constitutionnel. Il oui. est vrai qu'avant que le gouvernement n'entre en fonction, il doit être investi devant la représentation nationale. Mais il y a un problème. Vous savez, comme moi, avant l'investiture de ce gouvernement, il y avait un groupe de députés qui contestaient, qui étaient même prêts à pouvoir signer une pétition afin que le gouvernement ne soit pas investi. Oui. Mais qu'est-ce qui a changé? Nous avons vu des tractations. Il y avait un camp Kamerhe, il y avait un camp Kabuya qui a persuadé, bien entendu, le député, qui l'ont même corrompu pour que ces gens-là reviennent à la raison. Et aujourd'hui, ils vont investir le gouvernement. Mais moi, je lis les programmes du gouvernement. J'ai comme l'impression que c'est déjà un programme qui a été donné par Samuel Koundé. Donc, du déjà vu, du déjà entendu. Oui. Ici, Mme Judith nous parle de 18 milliards de dollars l'an, comme le budget, oui, selon sa prévision budgétaire. Mais la question reste à se poser. Samuel Koundé, le budget exercice 2023-2024 était de 16 milliards. Est-ce que d'abord, l'on pouvait nous dire, dans les 16 milliards, combien a été mobilisé pour qu'aujourd'hui, l'on passe de 16 milliards à 18 milliards? On n'a pas besoin ici de présenter un budget faramineux, mais en réalité, qui ne servira que sur les papiers. Donc, qui ne sera pas, comment
qui ne va pas se sentir dans la vie des Congolais. C'est pourquoi moi je dis ceci. Si réellement ces députés devaient être l'émanation du peuple, ils devraient minutieusement lire et examiner ces programmes. À mon humble avis, ces programmes ne pouvaient pas être acceptés. La deuxième des choses, monsieur Eddy, dans les gouvernements passés, dans les années passées, l'on donne le programme du gouvernement, on donne au moins une semaine avant, donc c'est-à-dire que les députés s'en prennent du programme, ils lisent et relient, et enfin qu'ils viendront discuter devant la plénière. Mais regardez ce qui s'est passé. Madame Judith est venue déposer son programme le samedi. Oui. Et le mardi aujourd'hui, on investit le gouvernement. Penses-tu qu'à 72 heures, les députés ont minutieusement pris connaissance de ce programme? La réponse est non. Oh, comment non? Non, cher frère, j'ai le programme. On peut lire le programme dans deux ou trois, des jours, en fait. Un jour, deux jours, ça peut permettre à ce qu'on puisse intérioriser l'idéal de ces programmes pour permettre. C'est un programme du gouvernement. Oui. Qui a au moins 6 axes. Excellent, c'est que monsieur le président avait dit devant la population lors de la cérémonie de serment. Le programme a 6 axes. Oui. Mais dans les 6 axes, pensez-vous qu'un député peut lire le 6 axes en un seul soir à 72 heures? La réponse est non. Je ne sais pas à quoi ou soit. Mais quand même, un député a la maîtrise du dossier. Il connaît mieux la République, les problèmes qui prévalent en République démocratique du Congo. Cher Eddy, je pense pas, que. Il ne faut pas qui vit, réduire les qui vit le Congo. Ces niveaux. Qui vit le Congo, oui. Nous connaissons la qualité de nos députés. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas outrepasser. Oui. Nous connaissons la qualité de nos députés. Et d'ailleurs, le Congolais n'a pas l'habitude de lire. Tu es journaliste, après ici, tu peux te rendre là-bas. Est-ce qu'il peut détendre le micro à un député? Si réellement, ils ont maîtrisé ces programmes? Non. Ici, nous sommes dans un système où, en fait, ce sont peut-être les robots où l'on viendra là, ils sont pour, ils adoptent les programmes, c'est fini. Oui. Donc, il n'y aura pas réellement un débat sur les programmes. Parce que s'il faut aller dans le fond du programme, j'ai vu madame a parlé de la l'unité, la sécurité ainsi que la prospérité. Mais là, ça pose problème. Si on avait des députés nationaux comme de Jean-Jacques Mamba à l'époque, comme de Délice Sanga, les collègues Lubaya, je pense qu'on aurait d'y avoir un débat roulé aujourd'hui. Malheureusement. Oh, vous parlez de Jean-Jacques Mamba. Mais Jean-Jacques Mamba qui a eu à rejoindre. Non, je parle de son passé. Oui. Je parle de son passé. Mais actuellement. Non, je parle de son passé. Mais son acte, l'acte qu'il a posé, vous ne voyez pas qu'il s'est remis en question. Jean-Jacques Mamba a adhéré à un mouvement politico-militaire. Oui. Jean-Jacques Mamba n'a pas tué les Congolais. Jean-Jacques Mamba n'a pas touché aux armes. Je ne défends pas Jean-Jacques Mamba sur ces plateaux. Mais je dis ceci, s'il vous plaît. Et l'actif de ces mouvements. Non. C'est là constitué un pivot de dire qu'il a déjà tué. Cher Eddy, oui. Savez-vous que M. Tshisekedi et son régime avaient réussi les mêmes mouvements ici pendant 14 mois? Vous êtes d'accord avec moi? C'était pour connaître les réalités sur les certains accords. Non, d'abord, ma question est celle-ci. Oui. Savez-vous qu'il avait réussi ces mouvements ici pendant 14 mois? Donc, pour dire que ces gens-là ne sont pas les ennemis de M. Tshisekedi. Je n'encourage pas ceux qui adhèrent au mouvement politico-militaire, mais j'ai dit ceci. J'ai pris l'exemple de Jean-Jacques Mamba étant un député national de notre pays que nous avons connu. Pas aujourd'hui. Mais c'est le père. Vous avez également parlé de ces tractations menées, voire au sommet de l'État, qui ont eu le mérite de déblayer le terrain en conduisant aux convergences parallèles au sein de l'Union sacrée pour la nation et de mettre également fin aux atroces douleurs d'affrontement enclin pour essayer d'exacerber la crise politique. Aujourd'hui que tout a été mis en place pour ne serait-ce qu'atténuer la gravité de la situation, pensez-vous que la dame Judith Suruma aura la tâche facile aujourd'hui lors de sa présentation? Mais également des préoccupations qui vont être soulevées par les députés nationaux. Merci. Monsieur Eddy, je ne vois pas Madame Soumounoua aujourd'hui comme Premier ministre,
Mais je vois d'abord Mme Soumignon comme le ministre en charge de plan. Parce que Mme Soumignon ne vient pas du néant. Oui. Mme Soumignon vient de quelque part. Elle vient de quelque part. Elle vient de quelque part. L'on devrait d'abord faire le bilan de son parcours au ministère de plan avant peut-être de projeter l'avenir. Mais ce n'est pas du pareil au même. Non. Mais écoutez, cher Eddy, tu ne peux pas échouer à Mabouilou ou soit à l'FC Renaissance et du coup on t'enrôle au FC Barcelone, soit au Real de Madrid, que tu feras faire. Dis-moi, si quelqu'un n'a pas pu démontrer de quoi il était capable à l'Atlético Club, est-ce qu'au Real de Madrid, il sera enrôlé? Peut-être cette fois-ci, elle sera rodée par le président. Non. D'abord, le plus grand problème ici, ce n'est pas Mme Simunois, c'est la tête du pays. Mais c'est ce qu'il dit, n'a pas besoin d'avoir un premier ministre qui sera réellement premier ministre et qui est en mesure de remplir ses tâches. Mais c'est ce qu'il dit, a besoin d'un premier ministre qui sera là comme son assistant. Faible, voilà. Oui. Et ici, écoutez. Mais vous oubliez une chose, monsieur Le Père. Laquelle? Que le président de la République est irresponsable devant le Parlement. C'est la première ministre qui est donc la cheftaine de l'exécutif, qui est censée répondre à toute préoccupation. Mais je vais te contredire, monsieur. Parce que vous avez lu le programme de Mme Soumignon, et le jour où elle est venue déposer son programme, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est Zizak parce que nous devons répondre à la vision du chef de l'État. Allez-y comprendre. Mais ça a toujours été ainsi. Non, sous d'autres sièges, ça n'a jamais été ainsi. Madame Soumignon, c'est elle la responsable d'une institution, l'institution gouvernement de la République. Alors, le programme, c'est le programme du gouvernement. Oui. Et le chef de l'État n'élabore pas un programme d'une manière unilatérale. Oui. Donc, le programme doit être élaboré en concertation avec la première ministre, le premier ministre. Mais ici, dès lors que la première ministre dit elle-même qu'elle va travailler dans la vision du chef de l'État, une vision qui est restée muette, une vision qui est restée obscure, parce que il y a cela 6 ans, depuis que nos amis de l'Union Sacrée nous parlent de la vision du chef de l'État, on n'a jamais vu cette vision. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, notre Congo, notre pays est le 4e pays le plus pauvre selon le dernier rapport de la Fonds monétaire internationale, vous êtes journaliste? Nous sommes derrière le Soudan du Sud, la Centrafrique, le Burundi. Allez-y comprendre. Un pays qui a 80% des terres arables, un pays qui a une réserve mondiale d'eau, un pays qui a une réserve mondiale en forêt, mais ce pays est 4e pays le plus pauvre du monde. Alors, M. Tshisekedi n'a pas trouvé le pays sur ses trajectoires, mais voilà là où il a amené le pays. Et avec Mme Simunois, qui a déjà un bilan catastrophique au ministère du Plan, pensez-vous qu'elle fera affaire? Très bien. Gouvernement, la réponse est non. Et plus grave encore, je vais citer par là, plus grave encore, on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui ne gagne pas, on fait quoi? On la change. Oui. Mais ici, nous voyons, il y a près de 24 ministres qui ont échoué hier. Comme qui, par exemple? Je prends monsieur. Parce que vous je prends Moïse Ozangui. Moïse Ozangui, lamentablement échoué. Je prends Kibasa Maliba, qui nous avait pillé nos unités ici avec l'affaire RAM, mais il est répondu. Avec l'affaire RAM, ça a contribué à la gratuité de l'enseignement. Le ministre a bon s'expliquer par rapport à ça. Ah, faut pas donc, faire un problème donc l'affaire RAM a contribué à la gratuité de l'enseignement. Oui. Donc c'est-à-dire que la gratuité de l'enseignement, ce sont nous-mêmes Congolais qui avons soutenu. Mais ça, c'est dans ces cadres. Tenu par les institutions de Bretton Woods, mais également sur le plan national. Vous êtes journaliste, c'est vos questions, mes réponses. Oui. Tu peux me dire, là où on a construit une nouvelle école ici, soit dans nos provinces, avec l'argent des rames, parce que c'était des milliers de dollars. Parce que ici à Kinshasa, aucune école n'a été construite. Dis-moi, la gratuité d'enseignement a été soutenue en quel niveau? J'étais ici dans ma ferme en Bankana. J'ai vu encore des écoles en paille. Vous oubliez qu'il y a le PDL 144. Oh là là, ça encore c'est grave. Mais c'est pour ça encore c'est grave. Également impulser une dynamique. Mais c'est Eddy. Alors dans ce sens. Mais c'est Eddy. Oui. Gestionner le Congo profond. Je prends l'exemple chez moi, Massima Nimba. Il n'y a pas un marché moderne. Il n'y a pas un hôpital moderne. Il n'y a pas de chambre froide. Parce que très souvent les gens parlent du projet de 145 territoires. Le développement vient par d'abord des routes, l'électricité, l'eau. Tu peux me dire une seule province de la République démocratique du Congo
qui est de servir à l'énergie électrique, même en eau. Mais vous avez parlé de la stabilité du courant électrique. C'est à Kinshasa. À Kinshasa. Est-ce que vous avez sillonné également la République pour voir si réellement... Je t'ai dit, j'étais à Kikwit, j'étais à Massimanimba, j'étais à Lodja. Tu sais qu'à Lodja, il n'y a même pas de route asphaltée. Tu sais qu'à Lodja, depuis que Lodja a été Lodja, il n'y a pas une route bitumée. Ça fait partie de la réalité du Congo profond. Oh là là. Il y a des efforts. Mais ça, c'est grave, mais c'est Eddie. Tout le monde peut dire ça, sauf toi. Parce que lorsque nous avons critiqué Kabila, moi et Tshisekedi dans l'opposition, on parlait du changement. C'est-à-dire que là où Kabila avait échoué, nous, l'on devait faire mieux. Mais ce qui est grave aujourd'hui, dans les mêmes états, que le Kabila a laissé les Congo, c'est dans le même état que le Congo. Et plus grave encore, nous sommes le quatrième pays. On parle de la présentation du budget et de la présentation, on parle de l'investiture plutôt du gouvernement Simouimoi. Il faut deux fois éviter des raccordements frauduleux parce que quelque part, vous allez à côté de la plaque. Mais c'est quoi la mission du gouvernement? La mission du gouvernement, pas des perspectives. Mais c'est Eddie. La mission du gouvernement, beaucoup parlé. Monsieur Tshisekedi a parlé de la prospérité. Monsieur Tshisekedi a parlé de le programme parle de la prospérité. C'est-à-dire que la prospérité, il doit y avoir le changement intégral dans nos différentes provinces. On ne peut pas parler de la prospérité. Le changement vient progressivement. Progressivement? Oui. Pensez-vous que quelqu'un qui a joué pendant 6 ans, dans 4 ans, il peut faire quelque chose de bien? La réponse est non. Donc, les Congolais ne peuvent rien attendre de ce gouvernement. Parce que le gouvernement répondra aux besoins du chef. Très bien. Monsieur Gandhi? Oui, j'espère. Vous venez de nous rejoindre tout à l'heure. Nous parlons du gouvernement, s'il vous plaît. Du gouvernement, j'ai dit depuis moi, qui va intervenir aujourd'hui. L'investiture, en fait. Mais loin de tout langage de bois, de tout discours dithyrambique, cette toute première femme à avoir été nommée première ministre en République démocratique du Congo depuis 1960, vous ne trouvez pas qu'elle doit absolument convaincre les députés nationaux et passer aux actes? Parce que vous avez suivi également la réaction de M. Le Père quant à c'est votre analyse. Mon analyse, que M. Le Père a pris près d'un quart d'heure, sinon plus. Je ne sais pas ce qu'il a raconté exactement. Vous l'avez d'ailleurs reconnu vous-même, le fait qu'il s'est baladé de gauche à droite pour noyer le poisson. On ne peut pas noyer le poisson dans l'eau. Donc, voilà. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord saluer une démarche qui a été entreprise hier par un mouvement, une structure d'action pour l'accompagnement des veuves et des orphelins victimes des guerres à l'Est. Créé par vous? Non, pas par moi, par quelqu'un d'autre. Non, j'étais ici sur place. D'ailleurs, j'avais alerté CCTV, les rallyes de cette manifestation qui s'est passée juste devant l'ambassade de la communauté européenne. Donc, c'était symbolique pour pouvoir rappeler les exactions que nous subissons depuis plusieurs années dues au fait du Rwanda et d'autres forces extérieures. Mais c'était pour rappeler que nous avions eu des victimes où à un moment donné, il y a eu un affrontement sur notre territoire entre l'Ouganda et le Rwanda. Et ça continue encore d'une manière ou d'une autre. C'était juste une parenthèse là-dessus. Pour revenir à votre question, moi je dis qu'aujourd'hui, c'est l'investiture du gouvernement Toulouka. Je dirais en une phrase que le vin est tiré, il faut maintenant le boire. On n'a plus à rester dans le passé où on a critiqué le gouvernement qui est pléthorique. On a critiqué cette présentation du gouvernement avec quelques incohérences, notamment dans le cadre de l'éducation nationale. Des gens comme moi, on aurait voulu que l'éducation nationale soit une, à savoir une éducation nationale qui englobe tout l'enseignement depuis la maternelle jusqu'aux universités. Et encore qu'il fallait rajouter à ce ministère de l'éducation nationale la jeunesse et sport, puisque l'éducation c'est d'abord pour la jeunesse et le sport c'est aussi pour la jeunesse. Pourquoi aussi le sport? Puisqu'il y a certains de nos enfants ou petits-enfants qui n'aiment pas tellement l'école, mais qui aiment le sport. Mais au travers du sport, ils vont aller à l'école pour le sport, en même temps, petit à petit, apprendre, comprendre les choses, comment notre pays avance d'une manière, même si c'est un peu pas pesant, mais au moins,
qu'ils puissent avoir au moins un minimum de bagages dans ce sens-là. Je vous ai dit que le vin tiré, il faut le boire. Il ne faut pas toujours rester passéiste, à savoir, on voulait ceci, mais on n'a pas eu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on peut souhaiter pour notre pays, pour ce gouvernement, qu'il puisse, malgré nos critiques, démontrer qu'ils sont dans une vision qui est une vision positive pour notre pays, dans une vision qui fera en sorte que dans 6 mois, qu'on puisse récolter les premiers fruits de ce gouvernement-là. Et que le peuple sente que dans son assiette, il y a à manger. Et que le peuple sente qu'il peut aller se faire soigner. Que le peuple sente que les enfants peuvent aller à l'école. Mais monsieur Gondi, avant, en fait, lors de la sortie de ce gouvernement, il y a eu pas mal de tractations. Il y a eu des voix qui se sont levées pour réclamer également la représentativité, mais également les quotas au sein de l'Union sacrée pour la nation. Mais là où les bas blessent, c'est du fait que la propension des politiques congolais à vouloir arrêter la marche du pays, attendez par là, la République démocratique du Congo, à prendre son peuple en otage, si leurs intérêts égoïstes et mesquins ne semblent pas être garantis. Vous ne voyez pas que ce sont des actes à condamner vivement? Nous l'avons condamné à plusieurs reprises. Notre pays, c'est un seul pays. On n'a qu'un seul État. Dans cet État-là, on doit arriver à créer une nation, sortir de ce qu'on a appelé, ou du moins Lumumba Sando à l'époque, professeur Lumumba Sando, que son âme repose en paix, a appelé des nations tribales. On est en train de revenir alors que Mobutu avait fait un effort. Son point d'honneur, c'était d'abord l'unité nationale. Il avait créé cette unité nationale. On a vu comment Mobutu a travaillé dans le sens positif de créer notre nation congolaise, zaïroise à l'époque, à savoir, tu es Mungwandi, tu peux être gouverneur au Katanga et bien travailler. Tu es Moulouba, tu peux aller à l'Équateur et bien travailler. Dans les retours des non-originaires dans des provinces. La preuve en est qu'on a un qui vient d'être élu sénateur à 93 ans, etc. Donc il y avait un équilibre pour pouvoir aller vers la création de la nation. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de la géopolitique et autres, mais c'est une prise en otage, comme tu l'as dit, du peuple congolais. C'est une prise en otage, puisqu'on n'a pas besoin de recréer des nations tribales. Sinon, on a besoin des gens compétents, des gens qui ont un savoir-faire et un savoir-être pour faire avancer ce pays. Rappelez-vous, Mobutu disait même au niveau des cabinets, tu as un membre de ta province ou de ta tribu, oui, ça peut passer. Deux, oui, ça peut passer. À partir de trois, on te met la main dessus. On dit, c'est pas comme ça, on est dans un pays où il faut... Mais vous ne voyez pas que par là, le tribalisme a marqué la politique congolaise et cela a favorisé également l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Mais la preuve en est qu'aujourd'hui, on est en train de saucissonner le gouvernement, de faire en sorte que nous ayons un gouvernement pléthorique. On pouvait avoir 20 ou 25 ministres. Mais attention, on doit satisfaire les intérêts des alliés. Non, d'abord, on doit satisfaire les intérêts du peuple. L'UDP avait dit le peuple d'abord. Moi, je pense que c'est le slogan qui devrait habiter non seulement le président de la République, le premier ministre, mais aussi les membres du gouvernement. Le peuple d'abord. L'objectif ici, ce n'est pas satisfaire le parti politique, ce n'est pas satisfaire les candidats soi-disant, ils ont contribué à l'élection du président de la République. Ils ont contribué à quoi? C'est le peuple qui a contribué à l'élection du président de la République. Le président doit se mettre ça en tête et le gouvernement avec. Donc, s'il faut contenter les partis politiques, les individus qui... dans une parade, une fois, deux fois, ils ont dit à l'Union sacrée, etc., au nom du président de la République, la vision du président de la République, après réclamer, moi j'ai dit que non, on doit réclamer le bien-être de nos populations, le peuple d'abord. Donc on ne devrait pas... Chuter? On ne devrait pas faire ça. C'est-à-dire, je chute, même si je n'ai pas parlé 10 minutes. Vous avez quand même eu les assez de temps. Donc je chute en disant, donnons la chance à ce gouvernement, mais soyons attentif, suivant de plus près chaque ministre et ses actions. Et chaque ministre devrait avoir au présent, dans sa tête au quotidien, quelle action je dois mener, qu'est-ce que je mène comme action, est-ce qu'il y a des conséquences positives pour nos populations, à cette interrogation-là, qui nous démontre leur savoir-faire et qui nous démontre également leur savoir-être. Ils ne sont pas là pour détourner des fonds, ils sont là pour faire en sorte... D'ailleurs, ils devraient tous dire, nous savons que nous sommes un pays en guerre,
non seulement il y a l'insécurité au niveau de l'Est, même dans nos quartiers, mais il y a aussi l'insécurité alimentaire et dans d'autres domaines. Nous devons dire, ah, on vient travailler pour le peuple, pas plus de 10 000 dollars par ministre, comme les députés doivent aussi à leur tour dire, pas plus de 5 000 dollars. Moi, j'aimerais même qu'ils disent 2 500 dollars pour les députés, oui, pour qu'on arrive à une situation équilibrée. Comment voulez-vous qu'un enseignant touche moins de 300 dollars et un député à 21 000 dollars? Si on n'est pas furieux à faire attention là-dessus, il risque même de l'augmenter à 30 000 dollars, voire même plus, alors qu'ils travaillent 6 mois dans l'année. Et 6 mois, ils sont payés à ne rien faire. Oui. Monsieur le Père, je reviens à vous. Vous avez parlé des tractations avant, après plutôt la sortie de ce gouvernement Chili tout le monde, qui a eu également à ne pas rencontrer l'assentiment de tout le monde au sein surtout de l'Union sacrée pour la nation. Vous avez également abordé cette question des conciliamboules que Vital Kamer avait entamé pour essayer un peu d'aplanir les divergences au sein de ce gouvernement en vue de la sortie, en fait, de son investiture au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, aujourd'hui, il y a une investiture du gouvernement. Il y aura plutôt investiture du gouvernement. Peut-on parler de la douleur de l'enfantement et les tests de cohésion nationale au sein de l'Union sacrée pour la nation après? Parce que peut-être on peut s'attendre à une surprise, il y aura peut-être une complication de la part de certains députés qui n'ont pas pu digérer leur défaite face à la sortie de ces gouvernements. Vous, en tant que politique, votre analyse. Merci beaucoup. D'abord, je dirais à mon co-débatteur que celui qui ignore son passé celui qui oublie son passé ignore son futur. Quand mon grand frère dit qu'il ne faut pas rester passéiste, non, nous devons, parce que le passé doit nous renseigner. Si aujourd'hui, le passé de quelqu'un est teinté de la malversation financière, l'on ne peut rien espérer. Mais l'effacer ne doit pas être une grande préoccupation pour toutes nos démarches politiques. Non. Vous savez, la plus grosse erreur que nous commettons au Congo, nous minimisons le passé de quelqu'un. Quelqu'un qui était voleur au départ chez lui en famille. Mais vous voulez les responsabilités comme ministre. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un, en fait, qui n'a jamais été courtois, qui n'a jamais été ouvert avec les gens, mais vous lui donnez les postes de responsabilité. Non, cher frère, il ne fera rien absolument. Oui. Donc, ici, on a pris quelqu'un qui n'a jamais géré, mais nous l'avions quand même confié à la présidence par un accident de parcours. Et aujourd'hui, nous en bâtissons. Ici, d'abord, je dirais une chose. L'Union sacrée n'est pas homogène, cher frère. Cette union sacrée va s'éclater à tout bout de champ. Oui. Ça, nous devons en être sûrs. L'Union sacrée n'a pas été conçue sur base des intérêts généraux ou soit national, mais plutôt sur base des intérêts égoïstes et mesquins. Aussi longtemps que les uns et les autres ne seront pas satisfaits, à tout moment, l'Union sacrée va s'éclater. Et ici, grand frère, le mot « le peuple » d'abord n'existe plus, ni dans les chefs de mon grand frère Yaphet Tshisekedi, moins encore dans les chefs d'Augustin Kabuya. Oh, comment ça? Je te jure. Aujourd'hui, les peuples sont abandonnés dans leur propre triste sort. Ni l'état des droits, moins encore le peuple d'abord, n'existe plus. Et d'ailleurs, vous savez... Vous oubliez que les fossés étaient trop grands et que cela n'a pas permis à la concrétisation de tout ce que vous faites allusion. Cher Eddy, oui. S'il y a un président qui a trouvé un pays stable, il s'appelle Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Avec la guerre à l'Est? Je vais te prouver. Est-ce que tu peux me dire que lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y avait la guerre à l'Est? Tu peux me dire ça? Oui. Tu veux me citer une seule localité qui était occupée où l'État n'accédait pas? Il y avait pire que ça. L'État était occupé partiellement par les forces rwandaises. En politique. Dans quelle partie? Au niveau de nos finances, au niveau de notre service de sécurité, au niveau de l'armée. Oh là là. Le pays était contrôlé par les Rwandais. Cher aîné. Les accords de l'Émirat. Cher aîné. Non. Est-ce que c'est l'accord des Émirats qui gérait le pays? Mais ce sont les Rwandais qui géraient le pays. Ils géraient le service de sécurité. Qu'est-ce que c'est Rwandais? Oui. Non. Est-ce que monsieur, mon co-débatteur peut me citer un seul Rwandais qui gérait le pays? Mais moi, je citerai plusieurs qui gèrent maintenant.
Tu peux me dire, monsieur le ministre, si tes pères, et de quelle nationalité et il est de quel côté? Je peux vous citer déjà au niveau de la tête de l'armée. Nous avons eu la première fois de notre histoire, puisque vous voulez le passer, on a eu un général qui était originaire du Rwanda. C'était en même temps général ici et au Rwanda, vous le savez. Mon point de bataille, nous avons eu compris. C'est bien non, compris. Non, non, James Kabarebe. Je vais aussi aider mon aîné. Oui. Est-ce que mon aîné sait que nous avons connu un Rwandais directeur du cabinet de président de la République dans ce pays? C'est Nimana, à l'époque. Mais parlons du gouvernement actuel. Oh là là, oh là là. Mais lorsque vous cherchez à vous échapper, moi je vous dirais, il y avait un Rwandais, directeur du cabinet, du président de la République. En quoi cela a causé problème aux Congolais? Non. Et donc, à quoi cela aussi doit poser problème? Très parce bien. Parce que Guissard est ministre. Une bonne question. Est-ce que tu peux dire aux Congolais l'état des routes dans notre pays, avec Guissard? Même à Kinshasa ici. Tu peux me dire depuis que Guissaro est ministre des Mais est-ce que vous avez des preuves qui prouvent à suffisance que Guissaro est corroidé? Mais il est Mouniamoulengue. Ah bon? Ah, tu ne le sais pas? Mais je l'ai dit à la télévision. Il est connu d'où? De quelle province? Et il est dans de quel quota? Dis-moi, il est de quel parti politique? Parce que tu es journaliste, tu dois avoir une information. Allez-y comprendre, hein, ce qu'il dit n'a pas que ça. Non, je l'ai dit à la télévision. Et ça ne représente rien l'opinion des kiosques. Non, non, je l'ai dit à la télévision. Je l'ai dit à la télévision et tous les Congolais le savent bien. Oui. Tous les Congolais le savent bien. Chers frères, vous savez, hein, ce qui tue les Congos, c'est l'hypocrisie parfois. Nous devons dénoncer le mal. L'on ne peut pas faire semblant, et surtout à ce qui concerne la vie et la vie de notre nation. Aujourd'hui, lorsque nos aînés qui est en face de moi, veut distraire les Congolais en disant qu'il y a eu des Rwandais qui gèrent notre finance, il ne me dira pas. Quel est ce Rwandais qui était à la Banque Centrale? Quel est ce Rwandais qui était au ministère des Finances? Quel est ce Rwandais? Non. Mais c'est ce que... DGDA, il est mort, on l'a enterré au Rwanda. Vous reconnaissez ou non? Un exemple aux finances. Un exemple. Vous pouvez rigoler, mais c'était un Rwandais, tout le monde le sait. Nous devons aider nos enfants. Quittons le comportement d'Augustin Kabuya. Parce que. Oh. Oui. Mais non. Vous avez quel problème? Il a une dent. L'Augustin Kabuya. Vous avez quel problème avec le secrétaire général de l'Union pour la démocratie? Augustin Kabuya justifie les chefs de l'IDPS par le régime passé. Or, ce n'est pas ça. Kabila a trouvé une armée organisée. L'armée qui était 8e au niveau continental. Tshisekedi a trouvé l'administration assise. Tshisekedi a trouvé les institutions assises. Tshisekedi a trouvé les 145 territoires. On parle du gouvernement d'aujourd'hui. Non, je reviens à ce que vous aviez dit. Mais aujourd'hui, le Congo ne compte plus 145 territoires. Nous avons 142 territoires. Parce que mon grand frère, moi, j'ai abandonné ma ferme ici en Bankana. Parce que Mubondo occupe c'est quoi du pays? Je ne sais plus assez de ma ferme. Ici, tu ne sauras pas prendre l'avion arrivé à Masisi, à Rutshuru. Mais tout ça, là, comme mes fautes à être Félix Tshisekedi. À qui alors? Mais c'est une situation qu'il a trouvée. Ah, il a trouvé Rutshuru sous occupation rwandaise? Oui. En bon? Mais c'est Eddie. En 2018, il n'y avait pas élection à Rutshuru. Mais je vous dis qu'il y a eu des poches de résistance. Il non, y avait la non, guerre. Non, il y a eu un semblant d'accalmie. Cher Eddie, oui. N'est-ce pas en 2018, nous avons eu les élites de Rutshuru et de Masisi et de Kwamouth ici au Parlement? Comment est-ce que les élections sont passées? Mais vous oubliez qu'ils étaient en train de se faire. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, il y a des élites de Masisi, de Rutshuru et de Kwamouth au Parlement? Ils sont là? Non, ce sont des élites de 2018. Il y a la continuité? Non! Il y a eu un arrêt? Non, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est en violation de la Constitution, cet arrêt! C'est en violation de la Constitution! Parce que nous sommes dans une nouvelle législature. Ouais. L'on ne peut pas reconduire les anciens législateurs. Non! Mais en attendant qu'il y ait élection dans ces contrées, voilà pourquoi la Cour constitutionnelle a décidé de prendre cet arrêt pour permettre qu'il y ait des représentants de ces contrées. Donc, jusqu'à ce que Tshisekedi finira son mandat, il y aura élection à Masisi, à Rutshuru, à Kwamouth, pour qu'il y ait de nouveaux élus. La réponse est non. Je reviens à ta question. Cher frère, oui. Le Congo, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'habits, mais qui n'a pas un bon corps pour porter ses vêtements. Le Congo a tout, mais nous n'avons pas des personnes capables à mieux gérer ce que nous avons comme richesse. Donc il se pose un problème d'homme. Et surtout de la classe dirigeante actuelle. Vous savez, hein. Mais c'est le père aussi a un problème. Non, mais c'est le père Koubanga, c'est une élite. Et oui, c'est une élite sur qui
Le Congo doit compter. D'ailleurs, je suis candidat pour la République en 2028. Parce que je dois changer les choses dans ce pays. Mais c'est Eddy. Moi, j'ai milité parce que depuis que je suis né, j'ai toujours été dans l'opposition. J'étais avec Félix Tshisekedi dans l'opposition. Nous étions en train de critiquer la gestion de Kabila. Est-ce que peux-tu faire la différence entre la gestion d'hier et celle d'aujourd'hui? La réponse est non. L'impunité de maire, l'impunité de maire, l'insécurité de maire. Par contre, aujourd'hui, le tribalisme a connu une ascension. Mais c'est Gandhi l'a souligné. Vous savez que, et d'ailleurs, lorsque Mme Juste a parlé de l'unité nationale, je me suis dit, mais ma grande sœur s'est trompée. Vous savez qu'en 1960, Patrice Emery Lumumba avait composé un gouvernement de 31 membres. Mais aujourd'hui, nous avons 31 Kassaïens dans le gouvernement souminois. Donc, nous avons le gouvernement du Kassaï. Le même nombre qu'avait le monde de 1960, c'est le même nombre de Kassaïens qui se retrouvent dans le gouvernement souminois. Donc, le tribalisme, le favoritisme, le népotisme. Très bien. Vous allez voir, oui. Le papa qui est député, son fils, donc dans les côtés du parti, c'est son fils qui est ministre. Donc, l'unité nationale dont apprenait Mobutu n'existe plus. Très bien. Moi, je connais, vous oui. le connaissez, oui. Papa Kone Vilakikanda, paix à son âme, qui est du Congo central, Mouyombe, mais qui s'est fait élu député national à Goma. Oui, pourquoi? Parce qu'il fit gouverner là-bas, il avait bien géré là-bas, et on a élu. Pourquoi aujourd'hui, qui sait que de qui est le fils Mobutiste, qui a vécu cette époque, ne peut pas nous ramener. C'est quel fils Mobutiste? Là, vous faites allusion à quoi? Parce que c'est qu'il dit son père a combattu Mobutu. Non. Mais quand vous parlez des fils Mobutiste, vous faites allusion. Il va prendre la parole juste non, pour nous écoutez, raconter de Boma. N'est-ce pas, mon papa Étienne Tshisekedi, que j'ai beaucoup de respect, fut aussi Mobutiste un moment. Quand je dis que non, Tshisekedi est le fils Mobutiste, parce que Tshisekedi a été nourri sous le régime Mobutu, scolarisé pendant que le papa Étienne était encore de l'impère. Très bien. Monsieur Gandhi. Oui. Je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de l'EPR. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'État en République démocratique du Congo demeure grabataire, c'est-à-dire trop faible d'abord, surtout face à l'insécurité, trop faible de développer une gouvernementalité des frontières à l'aune de son poids naturel, trop faible également pour ne serait-ce que participer comme partenaire viable à des institutions économiques internationales, même notre participation à des institutions sous-régionales telles que la SADC, nous apporte pas aujourd'hui des dividendes stratégiques pour ne serait-ce que contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Face à ce que M. Lebert a évoqué, vous, en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? Bien. Moi, je ne suis pas de ceux qui restent toujours dans les schémas classiques. Tshisekedi a fait ci, Bousla en négatif, la sécurité à l'Est. Moi, je dis, le problème de sécurité ne peut pas se régler simplement avec une armée face aux ennemis. Nous avons eu une faille dans ce pays. Faille sécuritaire. Faille d'abord dans la construction de ce qu'on appelle un État oui. moderne. On devient indépendant suite à une colonisation. Une fois décolonisé, nous n'avons pas construit un État en notre faveur, avec des objectifs bien précis. Construire un État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir une administration solide, une administration cohérente, efficace, efficiente, pour aller vers les objectifs que l'État s'est assigné. On a loupé le coche, on a loupé l'envol, notre vol en 60, ça nous a poursuivi jusqu'à ce jour. S'il y a, pour moi, point sur lequel on doit insister, travailler, c'est sur l'existence d'un État réel, puisqu'aujourd'hui on est face à un État factice, un État de fait, mais qui n'est pas un État réellement de droit, un État qui peut répondre aux besoins des usagers, notamment au niveau de l'administration, répondre aux besoins de nos populations. D'abord, l'État est l'administration qu'il faut reconstruire, solidifier. Vous verrez que tous ces problèmes que nous connaissons seront anéantis. Comment voulez-vous que un groupe de voyous, qu'on peut appeler rebelles, qu'on peut appeler le Rwanda, puisse rentrer dans certains de nos territoires?
c'est qu'il y a eu défaillance au niveau de l'organisation de notre État, il y a eu défaillance au niveau de l'organisation de notre administration. Si les territoires étaient gérés dans le sens de la présence de l'administration, de l'armée, de la police, des services de sécurité et autres, ce serait difficile pour que ces ennemis-là puissent rentrer chez nous. Moi, je pense que la première des choses, c'est de petit à petit, là où on domine au niveau des territoires, au niveau de notre pays, qu'on reconstruise, qu'on construise l'administration et l'État. Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que la République démocratique du Congo, surtout face à ce que vous venez d'évoquer, n'est pas encore sortie de la crise, celle de l'État en tant qu'organisateur de la vie nationale, celle également de l'État en tant qu'élément central et structurant des autres secteurs de la vie nationale. Ici, je fixe le mot crise comme un moment historique où l'ancien modèle d'organisation de la société perd du terrain sans pour autant disparaître complètement. Également, un moment historique où les nouveaux modèles, les nouvelles plutôt, modèles de l'organisation de la société commencent à gagner du terrain sans pour autant s'imposer tout à fait. Non, on ne s'impose pas. De toute façon, la situation est restée comme il y a une soixantaine d'années. Quand je prends un exemple, on a un gouvernement pléthorique, tout le monde l'a décrié. Oui. Comment voulez-vous que celui qui a l'aménagement des territoires fasse bien l'aménagement des territoires alors que lui échappe tout ce qui est lié à l'environnement, lui échappe également tout ce qui est lié à l'habitat, au foncier, etc. L'aménagement des territoires, ça devrait être un tout. L'environnement, l'habitat, les affaires foncières, etc. Et notamment la construction de routes. Puisqu'il y a Guissard d'un côté, notre ami de l'autre, je ne sais pas. Ça donne du retard au fonctionnement de l'État. Il fallait qu'il y ait un grand ministère qui touche à tout ça, et avec des directions, puisqu'on fait double tâche. C'est-à-dire, à la fois, le ministre contrôle tous ces secteurs-là, et en même temps, on redonne le pouvoir à l'administration, puisqu'on va nommer dans différentes directions des bons secrétaires généraux ou directeurs généraux qui vont gérer les différentes structures, c'est-à-dire l'environnement, le transport, etc., qui rentrent dans l'aménagement du territoire. Et on fait des économies, on solidifie l'administration, ce qui n'est pas la philosophie actuelle du gouvernement. Je pense qu'avec le temps, il faut qu'ils puissent réagir et réajuster les choses. Puisqu'aujourd'hui, comme tout est saucissonné, il y a un ministre qui va faire quelque chose, un pas ici, mais pour pouvoir compléter sa vision, la vision du président de la République, il est obligé de solliciter d'autres ministres qui ne vont pas travailler à la même vitesse. C'est ça qui nous donne du retard. Donc, il y a à conclure que, c'est-à-dire, il faut changer. C'est d'abord une philosophie qu'on devait mettre en place. Certes, il y a une vision, mais accompagnée d'une philosophie politique par rapport à ce dont nous voulons avoir pour notre pays et surtout pour notre population. Mais monsieur Gandhi, des problèmes structurels liés également au paysage partisan qui nécessitent également un assainissement, vous ne voyez pas que cela explique en grande partie les douleurs d'enfantement observées lors de toute formation du gouvernement? Tenez, la prolifération des partis politiques, plus de 1000 partis politiques conjugués au système électoral, vous ne voyez pas que cela ne peut pas donner lieu à une majorité homogène, mais plutôt à une majorité hétéroclite. Autrement parlé, l'Assemblée nationale, faudra-t-il admettre aujourd'hui que se retrouve avec une majorité, je dirais, de charité, parce que c'est selon le vœu du président de la République? Question difficile, c'est qu'on a des tares partout. Oui. On le vit au quotidien. Quel est ce pays où les églises, il y a des églises dans chaque rue, où des fois dans certaines rues, vous pouvez compter jusqu'à 4-5 églises? Ce n'est pas normal. Là également, il faut interdire. Non, là, il faut réajuster les choses. Il n'y a qu'un seul Jésus, il n'y a qu'un seul Dieu. Prenez l'exemple des églises catholiques. Ils ont une église par quartier. Mais nous, ici, avec nos nouvelles églises, là, bon, c'est devenu une affaire. Ils sont éparpillés partout et ils ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas normal. Quand vous regardez les partis politiques,
Il y a plus de partis politiques que des entreprises dans ce pays. Ces partis politiques-là servent à quoi? Ils ne payent pas non plus d'impôts. Et ils veulent avoir le pouvoir, et voire même les avoirs de l'État. Moi, j'ai dit, Mobutu avait raison quand il avait prôné qu'il fallait mettre, puisque c'est lui qui avait décrété la démocratie, qu'il fallait qu'il y ait tout au plus trois partis. Il avait raison. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà des cinq partis, puisque c'est la confusion totale. Ça n'organise pas notre État. On est dans une situation de crise, vous l'avez dit, d'insécurité. C'est là où on devrait mettre en avant l'intérêt national. L'intérêt national suppose que tout le monde se regroupe sur un idéal commun. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de tirer la couverture chacun de son côté. Comment est-ce qu'on peut construire un pays quand la couverture est tirée de part et d'autre? C'est-à-dire on va arriver à avoir des compromis qui deviennent par la suite des compromissions aux dépens de notre population. Il faut arrêter les dégâts par rapport aux églises, oui, par rapport aux partis politiques, par rapport à pas mal de choses qui démontrent que nous sommes une société désarticulée. Il faut revenir à un idéal commun, ce pays qu'on n'a pas pu construire pendant 64 ans, qu'on puisse au moins se ressaisir, aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'intégrité de notre territoire. L'essentiel, c'est quoi? C'est faire en sorte que la redistribution des revenus soit équitable entre un enseignant, un député ou un militaire ou un médecin avec le ministre, etc. Il y a des écarts criants. Ça ne peut pas stabiliser un pays. Il faut revenir là-dessus. D'ailleurs, il faut suivre de très près. Quand tu auras l'examen du budget, la répartition du budget par rapport aux différents compartiments, différentes factions de la fonction publique et autres, et aussi à l'investissement. C'est là qu'on saura que on va... L'investissement, c'est 1%. Comment? 1%. Qu'est-ce qui est de 1%? Le budget pour l'investissement, c'est 1%. Voilà. Donc, il faut revenir à ça, tu vois. Au moins, arriver à 10% minimum. On a toujours chanté l'agriculture, priorité des priorités, l'élevage, la pêche, etc. On ne voit rien. Non, ici, la priorité, c'est l'hôpital moderne pour les députés. Je reviens à vous, monsieur Lepère. Vous avez suivi l'argumentaire de M. Gandhi. Faudrait-il admettre aujourd'hui que l'Assemblée nationale se retrouve composée des petits blocs disparates plutôt, enclins à tirer les avantages qui procurent le pouvoir en place et non répondre aux aspirations profondes de la population? Par là, vous ne voyez pas que Madame, j'ai dit soumis-moi, doit plutôt démentir les dictons qui dit que moi si à ton arambo kate. Merci beaucoup, cher Eddy. D'abord, j'aimerais dire à mon grand frère Gandhi. Oui, vous avez deux minutes. Oui, parce que partant de son nom, il devait réellement être comme les Gandhi que nous reconnaissons à l'Inde. Maharaja Gandhi. Oui, Maharaja Gandhi, c'est le père de la révolution indienne. Oui. En réalité, M. Gandhi devait imiter son homonyme, malheureusement. Mais c'est Gandhi. Nous avons connu dans ce pays Kasongo Mwana Yambayamba, qui est décédé ici, enterré en Belgique, comme si j'ai belge. Les porte-parole de Félix Tshisekedi. Vous êtes informé? Kasonga Mwana Yambayamba. Il a été... Kasonga Mwema, vous voulez parler? Oui, oui. Je connais personnellement. Oui, il a décédé, enterré en Belgique, comme si j'ai belge. Vous êtes informé? Chers grands frères, les églises, ce n'est pas les églises qui posent, parce que je suis serviteur de Dieu. La Bible nous dit, allez partout dans le monde, faites les gens mes disciples. En réalité, si ces églises prêchaient réellement le royaume de Dieu et la vérité et l'amour, on n'aura pas tout ce que nous sommes en train de voir actuellement. Fort malheureusement, l'église est politisée. L'église aujourd'hui, c'est comme du genre les partis politiques, où il y a aussi des polémiques mondaines dans l'église. C'est ça qui pose problème. Mais avoir beaucoup d'églises ne peut nullement constituer un obstacle pour le développement d'un État. Chuté. Je vais par rapport à ce que vous aviez dit. Oui. Cher Eddy, Madame Simnoua peut être intelligente, peut avoir de très bonnes idées, mais l'environnement, l'entourage, le sillage, l'endroit ne va nullement la permettre à bien poser ses pieds. Très bien. Parce que, vous savez, avoir la bénédiction, vous devez vous retrouver dans un bon endroit et au bon moment. Madame Judith n'est pas dans un bon endroit et n'est pas au bon moment. Très bien. Monsieur Gandhi, je termine par vous. Oui.
Le père a dit que vous devez refléter hein, votre mot, hein, Mahatma Gandhi, la non-violence, le père de la révolution, qui disait autrefois que lorsqu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le droit de se révolter. Donc moi je dis ceci, d'abord relever cet équivoque-là que vous l'avez d'ailleurs vous-même lancé, qu'on ne peut pas construire une nation, une société avec les femmes. Faux. Donc il faut savoir remettre en cause certains adages qui datent de Mathusalem. Donc il faut revenir à la réalité. Quand on regarde notre société, oui, elle est faite de familles, de foyers. Qui tiennent nos familles aujourd'hui? C'est nos mamans. Ce sont les mamans qui tiennent nos familles. Dans les moments les plus difficiles, encore aujourd'hui, ce sont les femmes qu'on trouve, les femmes marchands, les femmes maraîchers, les femmes ceci, cela. Les femmes sont la matrice même de la société. On vous dit même d'ailleurs, ben je fais appel aussi à un autre adage qui dit que si on arrive à bien entourer, encadrer une femme, c'est une fille, une femme, mais c'est l'avenir de la société qui se joue là. Si la femme est mise à sa place, dans tous les, avec tous les respects qu'il faut, elle donne toujours de bons fruits. Donc il faut arrêter cette histoire-là, avec une femme on ne peut pas construire la nation. Notre premier ministre actuel peut nous surprendre. Elle peut nous surprendre si elle a des difficultés avec les gens, tels que notre ami le dit avec son entourage, il saura à un moment donné taper du poing sur la table et demander même au président de la République de pouvoir revenir, réaménager le gouvernement autrement. Il a le pouvoir, on lui a donné le pouvoir, j'espère qu'il l'aura, même dans la manifestation du quotidien. Il faudra aussi, trimestriellement, qu'on puisse jauger et évaluer chaque ministre par rapport aux actions, par rapport au cahier des charges qu'on va leur donner à partir de ce soir. Donc, on avait parlé avec le gouverneur, mais on n'a jamais fait. Comment examiner, non, mais je parle d'aujourd'hui. Moi, je parle d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. 3 ans, il n'y avait rien. Moi, je parle d'aujourd'hui et de notre avenir. On peut rectifier les tirs. On peut corriger ses erreurs. Avec de nouvelles personnes, c'est mieux. Ouais. Pas avec des anciennes personnes. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi Kiosque. Madame Soumimo, votre premier face-à-face avec les députés nationaux, il faut convaincre. Convaincre et passer à l'acte pour ne serait-ce que répondre aux préoccupations de la population congolaise. On se retrouve prochainement avec les autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite de programme sur Kiosque, une émission réalisée par les coachs Doudou Montiri et Moro Tchambé. Merci.